Et bonjour tout le monde, Soximos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Aujourd'hui les amis, on va faire une énorme blague à Diego. J'espère qu'il va pas le prendre mal. Et je serai avec Bertrand pour faire cette blague. Explique-moi un petit peu la blague, Bertrand, explique aux abonnés. Donc du coup en fait ce qu'on va faire, c'est que tu vois, on va appeler Romy avec nous. Et en gros elle va me donner ses habits, je vais me déguiser en elle. Et en gros je vais faire un date avec Diego. Et ouais. Moi en fait ce sera moi. Ouais voilà, donc la dernière fois les amis, eh bien Diego qui est en train de manger de la pizza là-bas, eh bien il avait fait un date avec sa crush qui s'appelle Romy, pour ceux qui n'ont pas suivi les amis, c'est une petite fille qui était perdue et tout, enfin bref, et Diego il en kiffe sur Romy. La dernière fois ils avaient organisé un rendez-vous un peu secret, enfin Diego avait un peu forcé, et du coup il était prêt à avouer ses sentiments, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir. Du coup là, eh bien c'est Romy qu'on va amener dans le piège, et en fait, eh bien Diego, Bertrand va se déguiser en Romy, et on va organiser un faux truc. Et Bertrand va dire des dingueries habillé en Romy et tout, en mode ouais, je crois que j'ai des sentiments pour toi Diego, alors que c'est pas vrai du tout. Et Romy va être complice du piège évidemment. Les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours les amis, et si vous voulez des vidéos comme ça plus souvent, et bien vraiment bombardez les likes. La dernière fois les amis, on avait fait 2800-2900 likes. La dernière fois que vous avez bombardé les likes, là faut faire les 3000 likes. Je sens que c'est possible les amis, et je sais qu'on peut le faire. Donc les amis, pour les vacances, bombardez-moi cette vidéo de like. Là vous explosez cette barre de like, et on est parti les amis. Donc Diego est en train de manger de la pizza. Donc ce qu'on va faire là, le plan, c'est qu'on va appeler Romy, on va discuter du plan avec elle. Faut pas que Diego sache que Romy est là. Et du coup, eh bien, on va discuter de comment ça va se faire et tout. D'ailleurs, il faudrait limite que on fasse une fausse lettre de rendez-vous pour Diego et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, bah vite, bonne idée. On fait une fausse lettre en mode salut Diego, c'est Romy, je te donne rendez-vous une nouvelle fois au stade. La dernière fois ça s'est mal passé, mais t'inquiète, là c'est moi qui prévois tout, et t'auras une petite surprise à la fin avec un petit cœur et tout. Oh Diego, il va tomber de haut quand il va voir la super chose. Ah ouais, vraiment vraiment. Et en plus de ça, je vais lui interdire de sortir aujourd'hui, à part si c'est important, tu sais quoi, on va faire ça. Ah ouais. Comme ça on va voir s'il trouve une excuse. Vas-y, je vais le voir, je vais le voir. C'est tellement sadique. Ah ouais. Et d'ailleurs les amis, si vous voulez voir les dernières vidéos, Diego c'est beau, il commence à avoir des cheveux. On lui a mis une lotion et tout. Enfin le allez voir la vidéo d'hier, c'était incroyable les amis. Donc voilà. Et d'ailleurs, oh mais Diego, mais t'as les cheveux qui poussent de plus en plus. Oh j'avoue, j'ai même pas vu. Ah mais ouais, on dirait Jules comme ça là. Mais attends, mais tu te transformes vraiment en Jules hein, avec la petite crête sur la tête, les lunettes de soleil et l'ovni. Je m'appelle l'ovni. Ouais ouais, tu t'appelles l'ovni. Bon alors tu mangeais quoi? Tu mangeais une pizza? Ouais. Montre-moi un peu, ouvre la pizza. Fais voir. Ah ouais. Ah d'accord, ah ouais carrément, c'est une pizza au chorizo. Viens goûter Bertrand la pizza au chorizo. Bertrand. Bertrand, viens goûter la pizza au chorizo. Vas-y regarde, elle est là. C'est une chorizo au chorizo. Monsieur. Quoi? C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je mange pas de viande, je suis végétarien. Ah, il est végétarien, d'accord, ok. Ah, donc... que tu me connaissais, c'était du faux tourisme, mais là, ça se voit, c'est du vrai. Ah oui, oui, ok, non, désolé Bertrand, je me suis dit que tu t'aimerais le chorizo. Bon, Diego, aujourd'hui, j'ai un truc à te dire important. Ah, oui. À cause de tes cheveux, là, tu dois pas sortir aujourd'hui, ok? Bon, mais pourquoi? Faut pas qu'il y ait du vent et que ça te soulève les... Ça t'enlève la lotion ou des trucs comme ça, ok? Ok. Donc tu dois rester à la maison. De toute façon, t'avais rien de prévu aujourd'hui. Bah non. Ok, bon bah c'est top. Bon bah vas-y, tu peux aller jouer dans ta chambre. Nous, on a des trucs à faire. Reste dans ta chambre, c'est bien, parce qu'il faut pas que tu sortes. Le soleil, ça peut abîmer tes nouveaux cheveux. Mais si, alors... le coiffeur, il m'a dit que ça pouvait abîmer... ça pouvait faire brûler ton crâne et les prochains cheveux, ils pousseraient pas. Ah ouais? Tu veux des cheveux? Il est belle. Voilà, c'est bon. Ok, nickel. Bon, oh, lui tire les cheveux. Non, lui tire pas les cheveux, le pauvre. Hey, t'es jaloux ou quoi? Je sais que t'en as pas beaucoup, Bertrand, mais quand même. Mais parce que lui. Bon, oui, c'est vrai. Pour l'instant. Mais en tout cas, là, il est cloîtré dans sa chambre toute l'après-midi. On va pouvoir appeler Romy. Donc, les amis, on va pas perdre de temps. On appelle Romy sur son téléphone. Hop, ça sonne. Ah non, j'ai mal fait le numéro. Attendez, j'ai fait le mauvais numéro. Ok, ça sonne. Oui, allô? Ah, allô Romy, ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va, c'est Oxymose. Dis-moi, t'es dispo cet après-midi ou pas?
Oui, je suis Ok, disponible. faut que tu viennes à la maison, on a une petite blague à faire, il faut qu'on t'explique. Ok, j'arrive. Viens avec des affaires de rechange, s'il te plaît. Ok. Ok, super, nickel, à tout à l'heure. Ok, À c'est tout bon. à l'heure. Ok, c'est bon, les amis. Ok, elle va arriver d'une minute à l'autre. Ouais, Bertrand. Du coup, il faudrait préparer la lettre, là, déjà, le temps qu'elle arrive. Ah Ok? oui, vas-y. Donc, je prépare la lettre. Je prépare la lettre. Livre et plume. Donc, c'est une lettre qu'on va faire croire qu'on a mis que nous, on n'a pas lu, tu sais. On fait genre, ouais, Diego, apparemment, il y a une lettre pour toi, on l'a pas lu et tout. Et évidemment, c'est une lettre de Romy. Salut, Diego. Diego. Salut, Diego. C'est Romy. Non, on va pas mettre c'est Romy. La dernière fois, tu m'avais donné rendez-vous au bar. Je suis trop. Pardon, je suis déformation. Non, non, c'est ça. Pardon, pardon. Ça, c'est mes rendez-vous à moi. Rendez-vous au stade. Excusez-moi, je suis tellement habitué, les gars. Au stade, au stade. La dernière fois, tu m'avais donné rendez-vous au stade pour discuter comme des amis. Comme des amis. Sauf qu'il avait plu. Sauf qu'il avait plu. Et on n'avait pas fini notre sortie. Notre sortie. Aujourd'hui, putain, je sais pas écrire. Aujourd'hui, je te propose à nouveau un rendez-vous. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que t'as une petite phrase un peu d'accroche, Bertrand? Il faut sortir une disquette. Ouais, faut sortir une Ça disquette. marche toujours. Donc aujourd'hui, je te propose à nouveau un rendez-vous, cette fois-ci au stade, et j'aurai une petite surprise pour toi. Donc un rendez-vous au stade, à nouveau un rendez-vous au stade, et j'aurai une petite surprise pour toi. Mets-toi sur ton 31. Surprise pour toi, mon chou. Je mets. Oui. Et je mets un cœur. Et après, je mets Romy. Et je mets encore un cœur à Romy. Regarde, lis la feuille, lis la feuille. Est-ce que c'est Oui. bien? Dis-moi si c'est bien. Au fur et à mesure, c'est parfait. Vas-y, on met ça dans la boîte aux lettres. Ok. On met ça dans la boîte aux lettres. Et du coup, est-ce que. Ah, Romy, t'es là! Romy, nickel. Ok, viens dans la maison ici. Il nous verra jamais. Ok, Romy, ça va ou quoi? Oui, toi. Ouais, ça va, nickel. Dis-moi, du coup, on aimerait faire une petite blague à Diego. Tu te Oui. rappelles, la dernière fois, il t'avait proposé un rendez-vous. T'es allé à un rendez-vous avec lui au stade. Oui. Et bah là, on a fait un prank. En gros, faudrait que tu donnes tes habits à Bertrand. Il va se déguiser en toi et il va aller à la deuxième partie du rendez-vous déguisé en toi. Et en fait, lui, il va se faire passer pour toi. Ok. T'es partante ou pas? Oui, je suis partante. Ouais, ça peut être drôle, hein. Oui, ça peut être drôle. Ça va être giga drôle. Et t'es prêt à devenir fille? Oui, j'ai pas le choix, mais en vrai, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne. En fait, lui, il veut juste faire chier Diego. Ça me termine, il veut juste lui casser les burnes. Eh, par contre, elle le brise pas trop mentalement, hein. Mais oui, t'inquiète. Lui dis pas des dingueries quand même, hein. Il veut dire qu'il est moche. Attends, je vais chercher une perruque. Vas-y, vas-y. Donc en fait, si tu veux, c'est parce que la dernière fois, pendant le rendez-vous, on avait vu le premier rendez-vous, il avait plu et tout, tu vois. Et on s'est dit, ouais, ce serait trop bien de lui faire une blague où Diego, il se déguise. Enfin, Bertrand, il se déguise en. Pardon. Bertrand se déguise en toi. Et du coup, il lui fasse des avances de ouf en mode. Parce que toi, je vois que t'es pas trop partante pour Diego, tu vois. Je sais pas si c'est vrai. Comment ça? Bah, t'as beaucoup de sentiments pour Diego, en mode amoureux. Bah, on est Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Bon, bref, et en gros, lui, on va faire croire que. En fait, on va lui faire croire que toi et lui, c'est plus qu'être amis, tu vois. amis. Et Ah, pour voir si vraiment il est amoureux de toi. d'accord. Ok. Et bref, voilà. Alors, ok, t'as la perruque. Vas-y, bah, donnez les habits et changez-vous. Change-toi, tes habits de rechange. Vas-y, je regarde pas, je regarde pas. Vas-y. Oh, les amis, ça va être une dinguerie, ça va être une dinguerie. Ok. Ok.
Ok, ils sont en train de s'échanger. Eh les amis, mettez un maximum de pouces bleus, ça va être vraiment incroyable. Eh j'ai trop hâte. Par contre, j'espère qu'il va pas trop dire des dingueries, je vous le dis. Alors c'est bon? Oh! What? Mais attends, mais Bertrand? Ah! Oui, c'est moi. Ah, c'est trop bizarre de te voir comme ça. C'est bien, non? Lève la tête à fond pour voir. Ah ouais, ah c'est trop bizarre. Ok, Romy. Eh Romy, t'es vraiment la boss, t'es la boss. Ok, bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est, va falloir se cacher. Cachez-vous, vous savez quoi, cachez-vous à l'étage dans ma chambre là. Diego il va peut-être vous voir. Non, c'est bon, courez à l'étage courez à l'étage, vite, courez. Ok, courez et mettez-vous juste à la fenêtre. Voilà, c'est bon. Ok, super. Maintenant, bougez plus. Diego, Diego, t'as reçu une lettre? Ouais. T'as reçu une lettre, il y a un bisou dessus carrément. Ah. Ouais. Attends, je vais passer par là, tu m'as dit que je pouvais pas passer au soleil. Oui, passe pas au soleil, enfin passe le moins possible. Ok. Vas-y. Vas-y, et là il y a... Il y a une lettre pour toi, c'est le facteur, il a déposé ça. Oh, bah j'ai fait tomber. Voilà, tu l'as fait tomber. J'allais la lire. Vas-y, pas de soucis. Vas-y. Tu la lire là. Ok, vas-y. Moi, je vais dans ma chambre, tu montes pas. Non, je vais dans ma chambre, tu montes pas, ok? Je vais programmer une petite vidéo. Ok, ça a l'air de marcher pour l'instant. Oui. Il est content d'avoir une lettre et voilà, il est content. Donc, à voir là sa réaction. On va voir ce qu'il dit. Ok. Chut. Cachez-vous dans mon setup là. Cachez-vous là. Okay. Cachez-vous là au cas où. Quoi? Attends, papa. Ouais, je suis là. Je dois y aller, j'ai un truc à faire. T'as un truc? Je dois aller couper du bois. Je dois aller donner de l'argent au fermier. Tu dois aller faire quoi? Je comprends pas. Diego, je t'ai interdit de sortir aujourd'hui. Et je dois aller faire un truc important, très. C'est pour le fermier? Oui, c'est pour le fermier. Bon, bah si c'est pour le fermier, vas-y alors. Va l'aider. Tu l'as tellement embêté. Oh, c'est bon, il est tombé dans le piège, comment? Vas-y, faut que t'ailles au stade, Bertrand, cours au stade. Je prends ça, j'ai mis un micro. Vas-y, t'as mis un micro, ok, nickel, oh nickel. Vas-y, viens Romy, viens, il faut se cacher nous, on va se cacher. Okay. Vas-y, on va se cacher, ok, oh purée, Diego, il court carrément, suis-le vite, suis-le. Vas-y, et dis-lui des dingueries, mais pas trop. Vas-y, Romy, viens. On va contourner un petit peu. Oh merde. Oh, what? Non, je suis bloqué avec un mouton. Non, je fais une connerie. C'est bon. Oh, le mouton, on l'aidera plus tard. Ok. Donc là, faut trouver une belle vue au niveau du stade, les amis, comme la dernière fois. Et là, on va juste assister à des dingueries, les amis. Ça va être un truc de fou. Ok. Tu viens, Romy? Oui, je suis derrière. Ok, nickel. Oh, ok. Allez, go. On va essayer de se mettre sur les arbres. Alors, est-ce que là, ça va être visible? Romy, mets-toi sur l'arbre. Ok, on voit bien ici, mais pas assez. Attends, non, on va aller encore là-bas. On va aller à ce niveau-là. Hop. Vas-y, monte, Romy. Là, je pense qu'on a une très belle vue. Ils sont où? Je les vois pas au niveau du stade. Oh, Diego, si, Diego, il attend sur le mur en pierre. Tu le vois? Ok, c'est bon. Ah oui, il est là-bas. J'ai connecté le téléphone. Ah, Romy. Salut. Ça va? Oui, câlin. Câlin. Attends, j'ai ramené des trucs. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est... Merci, c'est pas. Jours, attends. Je les vois pas. Merde. Ah, t'as ramené le tapis, j'ai oublié, moi. Ok, c'est... Ah oui, c'est bon, elle a ramené la nappe. Ok, c'est nickel. Hein? Elle fait quoi? Viens, on ramène là, c'est mieux. Mais... Hop, voilà. T'as mal à la gorge, c'est une voix bizarre. Oui, j'ai mangé une sucette hier, c'était très piquant. Ah ok. Là j'ai ramené un bâton. Oh, en plus t'es belle aujourd'hui. T'as mis du rouge à lèvres. Ouais. Alors Ricard, t'as vu, tu as goûté? Non mais c'est horrible. Tu as goûté le rouge à lèvres? Bah non, ça se mange pas le rouge à lèvres. Il a pas compris Diego. Mais non, mais attends, il faut pas se faire des bisous quand même. C'est un taré, lui. Regarde, il est...
Tu veux goûter le gâteau? Ouais. Il mange un gâteau, on le voit. Mais t'as tout... Il a tout mangé. T'as tout mangé. Mais tout le monde pas laissé pour moi. C'est banal. Tu as brisé le cœur. Mais non. En plus, elle était trop belle, la lettre que tu m'as faite. Mais non. Non, Rourou. Oh, c'est bon, je te pardonne. Je t'aime. Non, moi. Quoi? Ah, attends, derrière toi, il y a un truc. Attends, bouge pas sur tes fesses, c'est une mouche. Ah, aïe. Ah, tu m'as tapé les fesses. Aïe. Mais ça va m'appeler, je vais te tuer. Mais ouais, c'est trop bizarre, là. Attends, il fait trop... Attends, je peux parler dans l'oreillette. Bertrand, arrête de faire des conneries, là. C'est trop bizarre, mec. Vas-y, reprends-toi. Ok, c'est... Il faut que je t'envoie un truc. Quoi? Je crois que... J'ai des papillons dans le ventre. De quoi? J'ai des papillons dans le ventre. Oh, attends, bah faut t'opérer. Attends, viens, on va à l'hôpital. Il a rien compris, mais Diego, il comprend rien. Ok. Mais, oh, non, mais t'as pas compris. De quoi? En fait, c'est pas beau aujourd'hui, hein. De quoi? C'est très beau aujourd'hui. Oh, bah toi aussi. Dis, non, moi je suis belle, je suis fille. Dis que t'es plus Camille. En fait, je crois que. Ouais, c'est beau aujourd'hui. Ouais, mais non, mais il fait trop beau, c'est la canicule. En fait, je crois qu'on est plus Camille. Hein? Je crois qu'on est on est un peu plus. Bah. Oh là là, Diego, il va avouer ses sentiments. C'est sûr, ouais, les amis. En fait, moi j'ai un truc à te dire. Oui. L'autre jour, en fait, quand je t'ai donné rendez-vous, je voulais te dire un truc, mais à chaque fois, tu me coupais par dire « Ah, il est bon, le sel !» Voilà, bon. Et en fait, je voulais te dire que je t'aime. Romy, je t'aime. Fais-lui un bisou. Dis-lui toi aussi. Mais t'as mangé quoi? C'est la bonne pizza. C'est normal, j'ai mangé de la pizza. Ah, il pue la pizza. En plus, il y avait du chorizo et tout. Ah, mais c'est dégueulasse, bouge. T'aimes pas? Mais viens. C'était horrible. Tu veux que je te donne la pizza, elle est dans ma main. Dégage. Tiens, la pizza avec du chorizo. Attends, les amis, je vais couper le téléphone, Non, oh, purée, c'est horrible ce qui se passe, je coupe le téléphone, les amis. Ah, je veux pas entendre la suite. Oh, Romy, t'as entendu ce qui s'est passé? C'est dégoûtant. Ça veut dire qu'il t'aime, il est amoureux de toi. Ah. Mais sauf qu'il embrasse Eddie. Hey, tu préfères qu'il t'embrasse toi ou qu'il embrasse Bertrand? Bertrand. Diego, il est amoureux de Romy, les amis. Ah, oh, c'est un truc de fou. Ok, les amis, oh là, comment on l'a piégé. En plus, il le sait pas. Vous savez quoi, les amis? Eh bien, la suite, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, oubliez pas de vous abonner. Oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Objectif 3000 pouces bleus. Et on verra ses réactions quand il découvrira qu'il a embrassé Bertrand. Ah, Bertrand, même lui, il doit être dégoûté. Donc, voilà, les amis, vraiment, abonnez-vous pour la suite demain. Allez, les amis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oximos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.